Les hasards d'une promenade peuvent vous faire découvrir au milieu des champs la cheminée d'un de ces vieux fours qui autrefois donnait aux maçons la chaux nécessaire à la fabrication des mortiers. Pendant de longues années, la construction a été tributaire des matériaux trouvés sur place. Aujourd'hui, grâce au développement de l'industrie et des moyens de transport, il existe dans toutes les régions des dépôts qui mettent à la disposition des entrepreneurs un grand choix de matériaux répondant à toutes les exigences. L'emploi de ces matériaux, parfaitement calibrés, permet d'accélérer la construction tout en lui donnant des qualités de solidité, d'isolement, de salubrité scientifiquement étudiées. Par suite, les modes de construction perdent leur caractère régional, mais les principes restent les mêmes. Grand immeuble ou modeste maison, on commence toujours par creuser les fondations. Si le sous-sol est suffisamment résistant et si l'immeuble ne doit pas comporter de cave, ces fondations auront seulement 50 cm de profondeur. Ici, le terrassier rencontre une terre grasse. Cette couche argileuse n'est pas suffisamment résistante. Le terrassier creuse alors un certain nombre de puits qui atteindront le sous-sol dur. Dans ce cas, les fondations ont un aspect particulier. Voici l'emplacement choisi. Coupons le terrain. Traversant la couche d'argile, les puits ont atteint le sous-sol dur. Ces puits reçoivent une armature en acier qui est noyée dans un béton liquide. Des armatures horizontales réunissent ces piliers. Elles sont à leur tour noyées dans du béton. Les intervalles restés libres sont remplis avec des galets de silex. Et une couche de béton termine le socle qui, grâce à ces piliers, trouve un appui solide sur le sous-sol. Pour mouler le béton, les ouvriers préparent avec de fortes planches un coffrage résistant. Une cisaille à levier leur permet de couper les barres d'acier qui formeront l'armature des piliers et des traverses. Toutes les barres sont reliées entre elles par des crochets et des fils d'acier. Pendant ce temps, un camion va chercher au bord de la rivière voisine le sable et le gravier nécessaires. Sur le chantier, un ouvrier tamise le sable pour en retirer les corps étrangers. Le nombre inscrit sur ce sac qui contient 50 kg de ciment indique ses qualités, résistance, vitesse de prise. Dans la bétonnière, ces 50 kg de ciment sont mélangés avec 250 kg de sable et de gravier. On ajoute de l'eau en quantité suffisante pour obtenir un béton semi-liquide qui doit couler facilement. Gâché trop dur, il se prêterait mal au moulage dans les coffres. En effet, il doit s'insinuer entre les barres d'acier et occuper tout l'intérieur du moule. On
ensemble tasse et la surface est reprise à la truelle. Noyées dans le béton, les barres d'acier en augmentent la résistance et le rendent moins cassant. Lorsque tout est terminé et le béton bien pris, les ouvriers commencent à retirer les planches. Ils se servent de barres à mine. Et même de pioches qu'ils utilisent comme des leviers. Voici donc l'armature du socle dégagée de son coffrage. Des brouettes de galets viennent remplir les intervalles. Les galets sont soigneusement tassés. Placée sur le pourtour du socle, cette bande isolante empêchera l'humidité du sol de monter dans les murs. Une couche de mortier la fixera définitivement. Enfin, une couche de béton est uniformément répartie sur les galets, puis tassée et égalisée, de façon à former une surface parfaitement horizontale. Bâti sur un sol mou et humide, ce socle va permettre à la maison de prendre sur le sous-sol dur un appui solide et la bande isolante protégera les murs contre l'humidité. Voici les fondations d'un grand immeuble. Le socle en béton a été construit de la même façon, mais il est à 3 mètres de profondeur car il fallait prévoir l'emplacement des caves. Ces robustes piliers en béton qui font corps avec le socle serviront de point d'appui à la partie centrale de la bâtisse, qui aura ici des dimensions imposantes. Pour la construction des murs, la pierre est généralement remplacée par des agglomérés. Ils sont percés de trous qui formeront à l'intérieur des murs une couche d'air isolante. La construction commence toujours par les angles. Les agglomérés sont posés sur une couche de mortier. Ces matériaux, parfaitement calibrés, grâce à leur forme régulière et aux nervures creusées sur les côtés, s'assemblent facilement. Une mince couche de mortier les soude ensemble. Les joints sont alternés. Ainsi, il n'existera aucune ligne de moindre résistance. Pour aligner chaque rangée, le maçon se fie à un cordeau bien tendu. Le mur doit être bien vertical. Un contrôle fréquent au fil à plomb est indispensable.
Les emplacements des ouvertures, portes et fenêtres sont réservés. Lorsque le mur arrive à la partie supérieure de ces ouvertures, on prépare un nouveau coffrage en bois qui fait le tour complet de la maison. Ce coffrage reçoit une armature en acier. Rempli de béton, il donne une ceinture qui couronne l'édifice et forme au-dessus des ouvertures les linteaux qui soutiendront le reste de la construction. Les maçons élèvent ensuite les frontons avec des agglomérés dont l'épaisseur est la moitié de celle des agglomérés qui ont servi à élever les murs principaux. Ils laissent l'emplacement nécessaire pour le passage des poutres de la charpente. La partie supérieure du fronton est ensuite recouverte d'une couche de mortier qui assurera une liaison aussi parfaite que possible avec les éléments de la toiture et protégera les murs contre l'humidité. Pour consolider l'édifice, on dresse à l'intérieur un certain nombre de piliers en béton qui prennent appui sur le socle. Ce mur dressé entre les piliers a à peu près l'épaisseur des murs extérieurs. On l'appelle le mur maître. Ainsi, le béton permet l'emploi de matériaux plus légers et plus pratiques que la pierre. Si nous soutenons la ceinture en béton par des piliers, ces piliers supportent seuls le poids de l'édifice, qui peut alors s'élever sur plusieurs étages. Voici l'armature en béton d'un immeuble de 9 étages. À chaque étage, on forme une plateforme très résistante. On utilise à cet effet des boisseaux creux en béton moulé. La charpente en bois cède alors la place à des poutrelles en béton armé.
Les boissons sont maintenues par ces poutrelles. Leur forme permet un assemblage aisé et rapide. On déroule ensuite un grillage en acier qui recouvre tout l'étage. Du béton liquide est ensuite étendu. Il va souder ensemble les boisseaux, les poutrelles, la ceinture en béton et le grillage. La surface est nivelée. Après quoi, la construction continue à s'élever. On prépare et moule de nouveaux piliers. On élève des murs qui ne jouent plus qu'un rôle d'isolement. Les murs doivent être protégés contre les intempéries et ils doivent présenter une surface agréable à la vue. On les recouvre d'une couche de mortier, c'est le crépissage. Ce mortier, à la chaux ou au ciment, est posé en couche uniforme. Une deuxième couche vient ensuite recouvrir la première. Le maçon se sert de la truelle, puis égalise la surface à l'aide de la taloche. L'habileté de l'ouvrier lui permet même certaines fantaisies, comme de modeler le ciment de façon à donner l'illusion d'une construction dans laquelle la pierre jouerait un rôle décoratif. Ce badigeon passé ensuite sur le crépi bien sec n'a pas seulement pour but de lui donner un aspect agréable, mais il formera une mince pellicule imperméable qui protégera le mur contre l'humidité. Ainsi, que la maison soit modeste ou luxueuse, la construction des murs se fait avec les mêmes matériaux et selon les mêmes principes qui tendent à la rendre confortable et solide. L'alliance du béton et de l'acier a permis toutes les hardiesses. Reposant seulement par trois points, la voûte du palais de l'industrie s'élance dans le ciel de Paris, symbole du triomphe de la technique.